pam 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 pam. Oui, je sais que je chante comme une grosse merde. Hé, hey, Marty, prépare-toi à partir. La DeLorean est prête. Mais Doc, pourquoi vous avez préparé la DeLorean ? Mais parce que, Marty, il faut qu'on revienne dans un passé lointain où ta mère a couché avec un autre mec et pas ton père. Il faut donc revenir à l'époque où t'étais pas encore sorti du trou du cul de ta mère. Et 88 miles à l'heure ! Oui, bon, la VF de Super Lost Saga, elle est pourrie. Mais Doc, qu'est-ce qui nous arrive ? On est arrivé dans une... phase interdimensionnelle ? Ah, crotte, Marty ! Je viens de voir que j'ai utilisé l'embrayage d'une Ferrari ! Bagnole en kit, va ! Non. Ce thème magnifique, présenté par Monsieur de Nintendo, et aussi présenté par le stagiaire moustachu, c'est vraiment beautiful. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour la première partie de, attention, Super LoL Saga, saison 2, le commencement de la saison 2, enfin, et ça se passera sur Mario et Luigi, les frères du temps, un jeu sorti en 2006, enfin 2006 chez nous, sur DS, et c'est parti, c'est la suite directe de Superstar Saga. Bah, je vais choisir le fichier 2, parce que, vu que je suis très logique, et je fais attention, scénario. Il y a très longtemps, très très longtemps, dans un monde fort lointain, à des années-lumière du royaume champignon, dans un lieu sombre, froid, humide, et fui par la lumière des étoiles, il y avait cette ténébreuse planète isolée, la planète de Rémi. Les habitants de ce monde étaient sinistres, ils passaient leur temps à observer l'espace. S'agissait-il juste de sinistres rêveurs ? Bien sûr que non. Ils cherchaient, oui, ils cherchaient, ils convoitaient depuis fort longtemps une autre Terre. Même si ça n'a pas... ça n'a pas un sens de logique, parce que la Terre, c'est une planète à part entière, et il n'y a pas plusieurs planètes qui s'appellent la Terre. Mais bon, on s'en fout. Parce que scénario... ils finirent par jeter leur sinistre dévolu sur un havre de paix et de beauté. De beauté, on voit un champignon sur un drapeau, c'est original. C'est très beau, très élégant. Ah, mes jeunes maîtres, Mario et Luigi, j'attendais votre arrivée avec beaucoup d'impatience. Oui, car moi je suis un PNJ, j'ai rien à foutre, et j'attends patiemment les héros. Ah, la princesse Peach cherche des camarades de jeu. Elle est un peu énervée. Appuyez sur O, sur plus, pour regagner la pièce où elle attend. Faites vite, bien sûr.
Veuillez rejoindre la princesse. Elle se trouve dans la salle qui est devant. Appuie sur O, machin. Je te prends pour un Teletubbies. Voilà, alors sur DS, évidemment, l'image qu'on voit en haut à gauche est beaucoup plus grande. Enfin bref, c'est qu'on a plusieurs fonctionnalités. Bon, je vais vous montrer ça vite fait. Même si je sais plus trop où c'est. Voilà, paramètres écran. Et on peut... Voilà, on peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Parce qu'évidemment, on est sur la Virtual Console de la Wii U. C'est le futur, la Wii U. Et on peut faire, évidemment, l'écran tactile sur le gamepad et l'écran du haut de la DS sur la télé. Ce qui peut être pas mal aussi. On peut aussi afficher un vieux JPEG de la DS en 240p. C'est vraiment magnifique. Très esthétique. Et voilà, ils mettent pour les droitiers, pour les gauchers. Non, il y a que les droitiers. Attendez, il y a que les droitiers. Quelle est cette diablerie? Il ne parle même pas une seule seconde de gaucher. Mais c'est quoi ces racistes? Nintendo, mais vous êtes des racistes. Voilà. Il m'énerve un peu des fois, Nintendo, hein, monsieur Miyamoto, là. Un pur droitier, lui. Que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Et où est la princesse Peach? Moi, le prince de Bowser. Le prince Bowser, j'emmène la princesse Peach avec moi. Et vous, les deux bébés, vous ne m'en empêcherez pas. C'est vraiment n'importe quoi. Vous n'irez nulle part en garde. Non, j'aurais dû dire, vous ne passerez pas. À ton tour, polisson, en couche-culotte. Et voilà comment s'introduit la première bataille épique de ce Mario Luigi Super... non, pas Super Star Saga. Super Star Saga 2. Alors on voit bébé Luigi qui s'en contrefou et préfère s'amuser à faire des grimaces pour faire rire la princesse Peach. Mais bon, la princesse Peach... elle s'en fout un peu. Allez, allons-y. Allons-y gaiement. Voilà, la skill me parle. Par contre, je ne peux pas jouer avec la manette classique, donc je risque de moins bien jouer que dans Super Star Saga. Attention. Jeune maître Mario. Pardon, le maître évanoui tout à l'heure. Est-ce votre premier combat? J'ai envie de vous faire chier, alors non. Fatality. Quoi, vraiment? Mais Mario, vous m'avez pas laissé parler de... Non. Ah zut, j'allais oublier. Putain, dégage de là! Et vous pouvez aussi esquiver les flammes du jeune Bowser. Dois-je vous expliquer comment procéder? Ta gueule! Bah vraiment, mais... Non, non. Mais j'ai pas vu. Je suis qu'une intelligence artificielle à deux balles. Je ne peux pas voir que vous esquivez les coups de Billy Bowser. Oui. Aïe. Ah. Je suis un prince. Je suis le prince des saillants. Je ne peux pas perdre, c'est trop injuste. Je pense que je zoomerai la partie en haut à gauche dans le montage. Je pense. Par moment. Ce serait plus intéressant. Un flash d'information spéciale. Le professeur Catastrophe a terminé sa machine spatio-temporelle. La source d'alimentation de la machine. Et cette magnifique étoile cobalt. L'inauguration a eu lieu au château. Et des personnalités du monde entier y ont assisté. La princesse Peach a accueilli cette invention avec euphorie.
elle était un petit peu bourrée aussi. Elle était si euphorique qu'elle avait bu au moins 10 verres de punch. Son fidèle intendant, Papy Champy, est très inquiet des détails à 11h. Ah oui, et Fichtre, elle a pas bu que du punch. Elle aussi, elle voulait surtout revenir dans le passé. Je vous en supplie, princesse! Je suis si inquiet! Il n'y a aucune crainte à avoir. Ma machine est ne plus fiable. Il y a 99,9% de chances que la princesse revienne. Quelle horreur! Fatality! Ah oui, je lui ai pas dit qu'il y avait 0,00001% qui risque de... d'y rester. Hé, hey, Papy Champy! Réveillez-vous, Papy! Papy! Il se faisait tort de mauvais sang qui s'est évanoui. Mario! Papy Champy garde toujours un champicure dans sa chambre. Tu peux aller le voir? Oh wow, voici un plan du château de Peach. C'est ici que Mario se trouve en ce moment. Ah, tu vois, et là c'est le champicure. Il est là dans la chambre de Papy Champy. En fait, cette icône vous indique la position actuelle de Mario. L'icône ne bouge pas si vous vous déplacez à l'intérieur d'une salle, et elle ne saute pas, c'est que dans cette cutscene qu'elle saute. Mais si vous entrez dans une autre salle, l'icône ira aussi dans la nouvelle salle. C'est trop le turfu, t'as vu? Si vous perdez la trace de Mario, et si vous ne savez plus où vous êtes, bah regardez en haut pour trouver ce que vous cherchez. Voilà, c'est tout. Bon bah, je vais renifler mon petit cannabis, moi. Ah, très bien, Mario! Nous comptons sur toi! Le champicure est dans un bloc chez Papy Champy! Tu ne peux pas le manquer! Pour le sortir du bloc, place-toi juste en dessous et sonne pour le toucher. Où en es-tu dans ta pratique du son? Ah, ce n'est pas trop mal! Bonne chance à toi, Mario! La pratique du saut, c'est un peu bizarre comme phrase. J'ai tout compris, Luigi. Clafouti égale... dresseur de Pokémon. Papy Champy, réveillez-vous, Papy! Papy bougeant! Ah, et c'est là que ça c'est pour récupérer les PV et les PF, c'est ça? PF.frère. Ah mais non, il n'y a pas de point frère dans cet épisode, c'est vrai. Fichtre, nous sommes à 9 minutes. Ça sauvegarde en un clin d'œil, contrairement à la Game Boy Advance qu'on pouvait plus à chaque sauvegarde. Là, la DS, c'est... Allez, au calme. On sent vraiment la différence, le gain de puissance. Surtout au niveau des décors qui sont quand même beaucoup plus soigneux, plus colorés. Et ça fait moins pixel art. C'est quand même... moins pixelisé. Vous avez obtenu un champicure. Mais bon, dans mes souvenirs, ce jeu était un peu plus beau. Bon, après, j'y jouais sur ma petite DS. Alors, ben, voilà, pousse-toi, champignon. Là. Enfin, je l'ai pas insulté. Hein. C'est son apparence. Et Papy Champy, un dernier mot. Est-ce que je peux avoir de votre cam? Princesse! Docteur, dites-nous la vérité! Est-ce que Papy Champy va guérir? Oh bah, oh, son état n'est pas très réjouissant! Je vais pouvoir récolter son pognon. Ah, je crains que notre cher Papy Champy ne soit en état de champi-choc. Sans les propriétés curatives d'un champicure, nous ne pouvons rien faire! Papy Champy! Mon Dieu, quand je m'élève si haut dans le ciel, je perçois une petite hirondelle. C'est pas tellement ça le texte.
Hey, regardez, regardez-moi ça. La machine est de retour. Mais il y a quelque chose d'étrange. Qu'a-t-il bien pu se passer? Oh, Votre Altesse, bienvenue à la maison. Votre Altesse, j'étais si inquiet. Ah! C'est pas vous, Peach? Ah mon Dieu, je suis qu'une IA, je ne vois pas grand-chose. Attendez, Maître Luigi, qu'est-ce qui se passe? Je suis paumé. Let's go. Et ce type a, pendant que Luigi essaye de rattraper Papi Champi, ou je sais pas trop ce qu'il fait, eh bien on va combattre ce monstre, et Mario se cure le nez, tellement il n'en a rien à faire de ce monstre. Alors c'est parti. Maître Mario, je suis venu pour vous faire chier, mais vous savez que... Non. Mais Maître Mario, est-ce que vous savez qu'il y avait un ouragan qui s'appelle Katia? Non. Zut, j'allais oublier. Vous avez oublié quelques infos, Mario. Aussi, il s'est passé ceci, voilà. Non. Non, mais pas besoin de que tu lises le journal, hein, papy. C'est bon, je me débrouille tout seul. Ah, mais il est mort. Mais quel skill, hein, c'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué. Ah, je ne fais plus ma danse sensuelle. C'est peut-être l'évolution de la série. Alors, on peut... Non! Non, je voulais pas faire ça! Ah là, ça commence bien. Bon, on va recommencer l'épisode parce que là, c'est pas possible. J'ai eu que un point en plus, c'est dramatique. Non, allez, c'est pour le bonheur du défi. Aucune trace de la princesse! Non! Ce monstre horrible! Du calme. De toute évidence, elle ne lui a pas servi de petit déjeuner. Parce que je n'arrive pas à percevoir sa petite robe qui ressort de sa bouche. À ce monstre. Mon regard DS m'indique que la princesse est quelque part dans le royaume champignon d'antan aussi. Radar DS, c'est quoi ce truc? Vous nous racontez une histoire? D'où viendrait ce monstre alors? Je l'ignore. Étant donné que l'état de la machine, nous n'irons nulle part. Comment? Calme-toi et articule. Un trou mystérieux est apparu dans le jardin. Peut-être que le retour de la machine a causé des turbulences dans le temps. Au jardin, mes amis. Yabou yabou. Ok. Ah, Luigi, est-ce au jardin que tu vas? Tu ne veux pas rester ici pour t'assurer que cette chose ne déborde pas tout le monde? Oh, je vois. Eh bien, puisque tu ne veux pas, je ne vais pas te forcer. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Il y aura sans doute pire. Et dis-moi, as-tu autant amélioré les sauts de Mario? Tes sauts que Mario? Parce que c'est lui le meilleur. Ouais, sans vouloir te vexer, Tu n'arriveras jamais à traquer une fille de ta vie comme ça. À côté de Mario, c'est rien du tout. C'est décevant. Tu vois ce que je veux dire? Montre-lui ce que je veux te dire, Mario. Ah, sérieusement, lui, il a plus de bouteilles, tu vois, Luigi. Essaie de sauter comme Mario, mais il a plus de force, plus de conviction. Waouh! C'était génial! Ce saut était formidable! Il du grand Mario! Et Luigi alors? Et Luigi? Tu es bien son frère! Allez, dépêchez-vous de regarder le jardin! Oui, tu es juste son frère! Allez, dégage! toute cette cruauté sur Luigi. Bon, au moins, ils connaissent son nom maintenant, hein. C'est plus Monsieur Vert. Enfin, quoique, on rencontrera toujours des nouveaux PNJ qui ne sauront pas encore qui est Luigi. C'est un peu le problème de la chose. Sauvegarder un petit coup, 16 minutes, ben c'est parfait. En vérité, nous sommes à 18 minutes 50, plus l'intro, on va dire 19 minutes, je sais pas, j'essaierai de faire une petite intro à l'arrache, comme la saison 1. Ça ne changera pas de mon habitude.
c'est bien ce que je pensais. C'est une faille, c'est un sillon temporel. Cette faille est une porte qui mène dans le passé. Elle est sans doute au... Elle est sans... Crise cardiaque. Crise cardiaque, mon Dieu. Ah, ça va mieux. Elle est sans doute... Elle est sans aucun doute apparue à cause de ma machine. Oui, bon, ça fait un petit moment que j'ai plus lu. Soyez prudent, jeune homme. Si j'ai raison, cette faille mène dans le passé. Oui, vers un jeune royaume champignon. Mais la question est... Où dans le royaume champignon? L'autre question est... Si quelqu'un saute dedans, qu'est-ce qu'il pourra revenir? Est-ce qu'il pourra revenir? Je ne sais plus parler. Hein? Utiliser la faille station temporelle pour sauver la princesse Peach? Attendez, oui, c'est une bonne idée. Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Et puis, ce n'est pas comme si nous avions l'embarras du choix. Maître Mario! J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas... Il fallait pas faire. Mais attends, Maître Mario, on s'en fout, là, de Luigi. Il y a un truc plus important, là, la princesse! Elle est où, la princesse? Elle est où, la princesse? Et qu'était cette lumière? Et quel est ce trou étrange? J'exige des réponses, monsieur. Et pourquoi ma barbe a fait que de pousser alors que j'ai plus de 80 ans? Quoi? Réponds au moins à la dernière question, Maître Mario! Mon Dieu, Marty! Cet endroit est un véritable labyrinthe! C'est du Metroidvania, Doc. Du Metroid quoi? Ah, vous les jeunes, vous inventez toujours des mots! En tout cas, c'est labyrinthique! Mais Doc, labyrinthique ne fait pas partie de la littérature française! Ben, c'est vrai, Marty! Tu marques un point sur ce coup! Attention à mon cuir, professeur! Ne me poussez pas comme ça! Non, ne me dites pas qu'il a la voix de Vegeta. Oh! Vous devez être Mario! Ah oh, purée, en même temps, on n'a pas assez de doubleurs pour faire différentes voix, donc forcément, on retrouve les mêmes voix. D'après le professeur, il devrait y avoir un certain Luigi avec vous! Mais... Ah, vous êtes Luigi! Je suis désolé. Vegeta qui est désolé. Ah non, c'est vrai que c'est la même voix que Vegeta, mais il n'a pas les mêmes expressions. C'est pas Vegeta véritablement. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Fourretou. Je préfère t'appeler autrement. Que dirais-tu de t'appeler Panini? Je sais pas, tu me fais penser à un panier. C'est le professeur Catastrophe qui m'a inventé. Je suis une sorte de valise qui se fourre partout. Oui, arrête. Le professeur m'a envoyé dans le passé pour vous assister. Oui, assistant. Est le terme qui convient, mais je ne sers pas seulement à ranger. Je fais quand même mieux que stagiaire. Ah ben c'est bon toi là-haut. Je suis doté de nombreux capteurs complexes, ainsi que de systèmes d'enregistrement variés, et... Je fais GPS, et puis bref, vous avez compris que je suis une merveille technologique fort utile. Je suis encore mieux que les petites montres à deux balles, où tu peux surfer sur le net. Et si nous faisions plus ample connaissance? Ah oui, allez, ouvrez-moi! Vous allez voir que ma config est encore plus qu'un iPhone X! Appuyez sur Start! Je suis le prince de la technologie! Ah oui, notez que je peux contenir toutes sortes de trucs et de gadgets! Il va sans dire que je peux porter tous vos objets! Je peux aussi transporter une riche variété d'équipements. Et pour vous assurer que vous êtes dans une forme olympique,
Consultez vos statistiques et c'est... Pourriez-vous jeter un œil à l'écran supérieur? Ah, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le début de votre quête palpitante et périlleuse! Le nombre qui est juste ici, c'est l'argent que vous avez sur vous! Oui, bah j'ai mis 21 minutes à faire le jeu pour l'instant. C'est vraiment une aventure incroyable. En 21 minutes, on sent que... qu'il se passe quelque chose là. Regardez maintenant par ici, pour consulter le détail de vos statistiques! Vous avez eu 22 sur 30 au permis, c'est très bien! Ah, eh bien, je crois que je vous ai tout dit sur moi! Je suis impatient de travailler avec vous! Appuyez sur B pour me miniaturiser et me ranger! Pourquoi il est toujours surexcité, même s'il y a un point? Ah oui, c'est Vegeta. Retour à l'action! Non, non, je vais perdre mon boulot de stagiaire, non! Je ne pourrai plus jamais y revenir! Non mais ne t'en fais pas, hein, Luigi! On va trouver un moyen de revenir, enfin, on va essayer! Luigi ne peut plus revenir en arrière, il est coincé, avec Mario ici. Mario il s'en fiche un peu parce que bon, Mario il se débrouille, hein. Il est jamais au chômage. Il trouve toujours quelque chose à faire, il trouve toujours un PNJ qui lui demande de faire quelques bricoles, mais Luigi, c'est plus compliqué. C'est quand même le stagiaire avant tout, et il avait un peu travaillé avec Bowser au début. Voilà, il s'est fait un peu d'argent. Mario! C'est pas vrai, si vous voulez bien, j'aimerais procéder avec les instructions de base. N'allez pas plus loin! Et fichtre, il y a encore ce bouton! Comme vous le savez, l'action principale des bipèdes est le saut. Bravo le veau. Si vous sautez au bon moment, vous pourrez vous frayer un chemin ensemble. Et que vois-je? Un écran noir! Mario, commencez à appuyer sur A. Ensuite, Luigi, vous le suivez en appuyant sur B. Élémentaire! Vous savez la suite. Il faut juste utiliser plus pour avancer. Et puis appuyez dans l'ordre sur A et B. Et puis voilà. Allez-y ensemble. Je vous regarde. D'un air très satisfait. Un peu comme la danse sensuelle de Mario quand il gagnait un niveau dans le Super Star Saga. Ah là là, cette musique. Un remix. Je suis toujours ma boule quand il y a un remix. Ça me fait toujours de l'effet quand il y a un remix. Ah. Non mais, le jeu là il s'est planté, il dit écran du haut mais l'écran il est pas trop en haut. Enfin bon, c'est pas... Mario, Luigi, vous voyez les gouffres qui parsèment votre route? Ils font très exactement 10 cm. C'est intolérable, c'est presque infranchissable. Mais bon, vous pouvez sauter par-dessus parce que vous êtes les grands plombiers moustachus. Alors prenez de l'élan et sautez ensemble en appuyant sur A et B en même temps. Je vous conseille de vous entraîner pour maîtriser cette technique spéciale. Oui, bah en attendant, moi je vais quand même chercher les trucs, s'il y a des trucs à récolter. Là. Non, même pas, y'a rien. Alors Mario, on a l'impression que c'est Chris Redfield dans Resident Evil, avec sa démarche. Il a un balai là où je pense. Bon, Luigi, il est toujours beau gosse quand il marche. Ah, cet endroit grouille de blocs rouges et verts. Selon mes bases données, ça vous donne encore des pièces et encore des objets. Mais oui, Nintendo, ils sont trop généreux dans le jeu. Commencez par sauter et frapper tous ces blocs. Voilà, Miyamoto, il a placé des blocs partout. Vous avez résolu une énigme très compliquée. Je n'aurais pas trouvé, et pourtant je suis... high-tech. Il semble qu'un nouveau chemin se soit ouvert. Utilisez A et B pour faire des sauts synchronisés et ainsi aller de l'avant. Moi, je vais toujours de l'avant. Je suis... encore mieux que l'iPhone X.
le village. Un taux de Père Noël ? Le village, c'est champignon violet, mais il est froid. Mais c'est Mars Attaque. Attention, Luigi, les martiens s'échappent. Ah mon dieu, il y en a qui arrivent. Alors si vous voulez une histoire magnifiquement glauque... Alors mais oui, le savais-tu jamais que... J'aime bien inventer des histoires de mal comme les timelines de Zelda qui servent à rien. Alors bien sûr, Jamy, eh bien ces champignons violets, eh bien ce sont les secoues volantes qui transforment les champignons du royaume champignon, les toads, en champignons violets. Et c'est comme ça qu'ils deviennent méchants et que leur cœur, il arrête de battre et du coup ils sont violets. Voilà, c'est glauque. Parce que moi, quand je fais des timelines à deux balles et que je fais des histoires à deux balles pour les jeux vidéo... qui n'ont aucun sens parce que je suis fan. Forcément, il faut un peu de glauque. En tout cas, c'est très joli, cet environnement. Mario! Je sais bien que le temps presse, mais qui sait quel danger nous attend? Il serait plus prudent de bien nous préparer avant d'avancer. Oh, regardez, l'occasion parfaite pour vous entraîner. Mario, sautez sur cette chose bulbeuse. Et Luigi... attendez à côté. Excellent travail, Mario. Et Luigi, bien joué, tu as attendu. Sautez sur votre ennemi pour le provoquer en duel et... vous prendrez l'avantage. Il est important de prendre l'avantage, voilà. La tronche de la valise... C'est un smiley flippant. Ça sera peut-être une nouvelle émoticône pour Twitch. Alors, commençons à attaquer ces Goomba qui meurt un coup. Luigi, vous pouvez effectuer les mêmes attaques que Mario, sauf que vous utilisez B pour effectuer vos actions. Appuyez donc sur B quand vous sautez sur les méchants et qui vous détestent. Car vous n'êtes pas le prince des saillants. Mais vous avez la même posture. L'analyse des attaques ennemies est terminée. Dois-je vous communiquer les résultats? Non merci, nouveau Captain Obvious. Très bien. Il y a une autre analyse dont j'aimerais vous faire part. Bien que vous soyez des frères, vous n'esquivez pas de la même vitesse. Faites donc attention à la synchronisation des sauts. Retour à l'action. Luigi, il est tout content, tout mignon. Il évolue d'un niveau. C'est beau. Alors, moi j'ai changé de voix, tu vois. Avant j'étais plus speed, mais depuis que j'ai goûté à ces plantes magnifiques, eh bien, je suis cool, je suis zen. Alors, on va choisir tranquillement. Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va attribuer comme point à Luigi? Alors, vous voyez, il y a ça. C'est bof. Il y a les PV, c'est un petit peu mieux. La défense, c'est bof aussi, il y a beaucoup de 1. La vitesse, évidemment, c'est là où Luigi a du mal. Mais bon, la vitesse, c'est un peu inutile. Et la moustache, c'est la chance. C'est quand même pas mal. Mais c'est pas la priorité. Alors, choisissons tranquillement. L'attaque, parce que, bien sûr, Luigi... il a un peu peur. Et pour se défendre, c'est parfait d'avoir une meilleure attaque. Alors appuyons au bon moment. Dites-moi top. Et je vais appuyer à ce moment-là. Ah oui, c'est vrai que nous sommes pas sur Twitch et on n'a pas les messages. Alors désolé, mais je vais m'y prendre moi-même. Et ça risque de taper sur le 1.
Je suis désolé, je m'en excuse d'avance. Oh, mais c'est trop fou! Merci, là, qui tue tout. T'es vraiment un champion. Ah, Luigi, c'est une petite égratignure, non? Êtes-vous opérationnel, Luigi? Répondez-nous! Avez-vous besoin de mes services? On dirait que vous avez subi quelques dommages. Ça tombe bien. Laissez-moi vous expliquer comment utiliser les objets. Mais oui. Et laissez-moi aussi vous expliquer que je ne sais pas lire. Je sais que vous êtes sonné, mais essayez de vous concentrer, Luigi. Veuillez appuyer sur Start. C'est bien, Luigi. Voilà l'occasion idéale pour vous parler de l'utilisation des objets. Attendez un instant. Le professeur Catastrophe m'a justement donné des champis à tout hasard. Alors utilisons-les pour illustrer mon explication. Placez la loupe ici et appuyez sur A. C'est ici que sont répertoriés tous les objets qui sont en votre procession. Procession, bien sûr. Le processeur. Oui, mon processeur, c'est un i8 de dernière génération créé en 2020. Je viens du futur. Vous devez sélectionner les champis et appuyer sur A. Oui, vous pouvez maintenant utiliser plus pour choisir qui recevra le champi. Mais bon, j'aurais préféré que ce soit Mario, mais il n'a pas 14 PV, il a 15 sur 15. Du coup, c'est forcément l'autre là, l'autre pleurnichard. Mais non, pas Mario. Tu n'as rien compris à la vie. Ah oui, c'est très bien, ça va donner du goût à sa pizza. What? Ok, je me souvenais pas de cette phrase. Retournons maintenant sur l'écran tactile. Vous voulez bien appuyer sur B? Le deuxième vert est une répétition du premier vert. Donc appuyez encore sur B. Vert? Attendez, maintenant on parle de poésie? Je ne comprends plus rien. Et voilà! Retour à la case départ. Mais revigoré. Poursuivons. Appuyons sur B, encore une fois. Retour à l'action. J'ai le nez bouché, donc du coup, je fais peut-être mieux la voix de Vegeta. Alors, continuons. Le talent qu'il m'a dans ce monde merveilleux, ce monde fantastique avec des ennemis inutiles. Ils sont en train de danser. Qui danse un peu comme Hatsune Miku. Allez, dégagez. On gagne de l'XP, on gagne du pognon. C'est exactement comme Superstar Saga. Sauf que les combats... Eh bien, comment dire, eh bien, il n'y a plus de points frères, et du coup, comment ça marche? Eh bien, s'il n'y a plus de points frères, il y a bien sûr les objets qu'on récolte. D'ailleurs, ah voilà, on le voit comme ça, l'objet. Évidemment, sur une DS, on le voit direct. Mais là, c'est un peu bizarre. Avec deux écrans comme ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai remarqué dans les émulateurs de la DS. Que souvent, ils n'arrivent pas... Les émulateurs n'arrivent pas parfaitement bien à émuler les écrans de la DS. Du coup, il y a une petite partie qui est coupée. Alors qu'en vérité, la DS ne coupe aucune partie. Mais voilà, il y a une petite partie qui est coupée entre les deux écrans. Donc si on les superpose complètement, on voit qu'il y a une partie qui est coupée de l'image. Du coup, par exemple, je sais pas, si on jouait sur émulateur là... Enfin, on joue sur émulateur, mais l'émulateur Wii U, donc l'émulateur officiel. Donc du coup, là, ça marche très bien, c'est pas coupé. Et sur émulateur DS, on risque de peut-être pas voir les objets qu'on récolte dans l'écran du haut. Ou qu'à moitié. C'est génial. Hein, non, l'émulation de la DS, c'est vraiment, pour l'instant, c'est un petit peu du caca. Avec le son qui grésille un peu aussi. Ça le fait moins que quand on a un PC gamer, mais ça le fait quand même un petit peu.
Attention, je me concentre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non ! Mais purée, Mario, il est... Il est maudit ! Et je crois en plus que je disais dans Superstar Saga que j'avais une technique secrète pour... Allez, Mario, il fait bien plus mal. J'avais une technique secrète pour réussir ce genre de choses. Faire des plus 3 ou plus 2 au lieu de plus 1. Mais bon. Finalement, ça reste compliqué. Je ne mens pas, bien sûr. Faut juste être patient, attendre un petit peu. Voilà, Luigi, il est heureux, il est content. Il est tout ronron. Il est aussi mignon que mon chat. Et on attend patiemment. Mais purée, ça le fait... Ah, j'ai l'impression que ça fait une microseconde après. Ah, c'est horrible. Sur ma DS, ça faisait pas ça, voilà, là. C'est l'émulation, là, c'est... Voilà, je suis pas content. Je vais ressortir ma DS, là. On va voir si c'est pareil. Non ! Bon, en fait, je m'en fous. Ça se voit un peu dans l'intonation de ma voix. Mon dieu. Bon, un taux qui respire plus, du coup, il va devenir violet. Un autre taux qui respire plus, du coup, il va devenir aussi violet. Non, franchement, ma connerie sur les taux de violet, c'est plutôt pas mal, parce que quand on respire plus, dans un dessin animé surtout, parce que dans la réalité, on n'est pas violet, on est blanc. Oui, c'est glauque. Cette vidéo est glauque. Mais dans un dessin animé, quand le personnage ne respire plus, il est tout violet. Là. Et ben, là, c'est comme ça en fait, que deviennent les méchantaudes. Les comment ça s'appelle? Les Xampis. Ah, c'est ça. C'est Xampis. La musique est assez triste, en fait. Et donc oui, notre cher Jamy, et ben voilà, il a raison. Il a raison. Notre cher Fred, je confonds. Alors voilà, c'est Noël, mais pas tellement, parce que on se fait attaquer par des martiens et... Enfin, par des martiens, par des soucoupes volantes qui transforment les taudes en taudes violets, bien sûr. Restons dans notre logique extrême. C'est quand même plus logique que les timelines bizarres que je trouve des fois sur Internet avec Zelda. Mais bon. Ça ne regarde peut-être que moi. Et regarde ici. On voit que c'est un désastre, ça a été attaqué de partout. Et que les Xampis, finalement, ils sont plus dangereux que Greg et Mona. Ça fait vraiment plus mal quand il y a des Xampis qui passent. Alors, maison d'une merde, holy jolly. C'est toujours Noël ici. Il y a quelqu'un à Hoé. Qu'est-il arrivé à ces affreux Xampis? Je recherche de la roche. Oh oh oh! Mais serait-il parti? Moi, je suis le maire de ce village et je suis aussi le Père Noël. Content de vous connaître. Et c'est moi qui ai créé les roches. Oh oh! Et par contre, j'arrive plus à les retrouver. J'essayais d'échapper à ces Xampis et me voilà dans de beaux draps. Oui, mais aussi, je recherche bien sûr la roche. Oh, il doit y avoir un moyen de sortir, mais sans qu'il faille attendre que je maigrisse. Bah, c'est simple. Énigme de fou. Ah oui, je suis enfin libre. Je suis libéré, délivré. On me dit que dans la saison 1, cette blague a déjà été faite. Bonjour. À l'aide! Mon dieu, on est en train de violer le Père Noël! Vite, Luigi! Non, je ne veux pas devenir comme vous! Maman qui t'a lâché? Banana, banana!
Banana. Mozzarella, mozzarella, pizza, pizza. Hey. Pizza, carbonara. Oh là là, avec leur langage bizarre, ils ont appelé un truc au-dessus là. Alors, parce que je vois, il y a un 3, donc je suppose que c'est au bout de 3 tours. Ah oui, non, même pas un tour. Même pas un tour, c'est juste au bout d'une attaque. Ok. Alors voilà, quand on n'a pas envie de s'embêter, de se prendre la tête, on appuie sur A et B en même temps, ça fait tout. Hein. Ça esquive. Tranquille. Ça marche avec beaucoup d'attaques. Mon dieu, mais on va jamais gagner! Mais comment est-ce possible? Bah, évidemment, je connais la suite. Mais chut, ne spoilons pas. Oula. Oula la la la. Oula oula. Diamond Kick. Je sais pas, d'un coup j'ai pensé à Hercule dans Dragon Ball Z. Fichtre. Parce qu'il a l'habitude de perdre tout le temps d'une façon ridicule comme Mario et Luigi là. Quelque part au-dessus du village de Holy Ojoli, à bord du Tortue Jet. Ah, le fameux Tortue Jet. Donc là, c'est le Tortue Jet, mais dans le passé, finalement. Parce que c'est avec Bowser, mais étant jeune. Mon dieu, c'est horrible. Arrêtez ces bruitages, s'il vous plaît. Arrêtez cette horreur. Je ne veux pas être papa, non! Alerte, alerte! Mince, non, non, il est moins vieux là. Je me suis planté de voix. Princesse! Je. Oh, votre Altesse, je me suis réveillé d'un coup. N'ayez crainte, ma chère Papy Champi est là. Je vais changer votre couche. Allez, il faut vous mettre à l'abri aussi. Ah, est-ce que vous avez bu votre biberon ce matin? Je suis le prince Bowser! Que tout le personnel se rende sur le pont. Exécution. Let's go. La musique est sympa. Vous là-bas. Sa gracieusité vous attend. Allez-y sur le pont. Je me demande si les patates comme vous peuvent y arriver. Toi, gamin, en rouge, montre-moi comment tu chantes. Montre-moi ton talent caché. Pas véritablement caché. Ah, je n'ai pas mal. Et toi, le petit petite patate verte. Pour les petites patates vertes. Mon dieu, le nouveau surnom de Luigi. Catastrophe. On va de pire en pire. Il y a Monsieur Vert, maintenant c'est petite patate verte. Où va le monde? Bien. Vous semblez être prêt. Vous pouvez exécuter toutes vos actions avec X et Y. C'est compris? Pour franchir les obstacles, vous allez tous les deux devoir perfectionner vos shows. C'est aussi pour autre chose aussi. Mais je vous dis pas tout. Je vous dis pas plus. Appuyez sur plus pour vous déplacer, et puis appuyez successivement sur X et Y pour sauter. Une fois que vous aurez maîtrisé ces commandes, regardez vite le pont. De nos jours, la vie est dure. Quand on est une petite patate, quand on soit mûr ou pas mûr, il faut bien se tenir sur ses. Ah, quant à ces caisses, utilisez plus pour prendre de la vitesse. Oui, parce que moi, eh ben je sais tout ce qu'a dit mon collègue à côté. Même si à 30 mètres de loin, je sais tout. Alors appuyez en même temps sur X et Y pour sauter par-dessus les trous. Enfin, foncer en direction du pont, quoi. Parce que bon, j'explique très mal. Pat. Les trucs rouges réagissent si c'est le gamin rouge qui les touche. La gueule! Les paroles, si tu ne veux pas finir à la casserole. Moi je me débrouille comme je peux. Le tout c'est d'éviter la chaussée. Parce qu'une voiture a des pneus. Évitons donc de se faire écraser. Alors mon petit gars. Sachant que les pastilles champi. Je crois que c'est des trucs pour pouvoir se soigner toute l'équipe. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? Oui, bah bon, j'ai une phrase à la Captain Obvious style, les phrases que tout le monde répète dans les films. En plus, vous êtes des bébés.
mieux vaut sauvegarder votre progression, et dès que vous voyez un album de sauvegarde. Alors, ils appellent ça un album de sauvegarde, ok. Voilà. Et bah que dire, ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on a fait, qu'on est dans ce premier épisode. Donc bon, il faut peut-être clôturer un jour. Donc, que va-t-il se passer en entrant dans cette salle? Et bah vous saurez... la semaine prochaine. Non. Au plus tôt. À la revoyure pour de nouvelles aventures. Showtime.